tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours avec ma lumière artificielle. Je me répète, mais je pense que ce sera le cas un peu tout le temps vu qu'on est en hiver, avec du coup la liste des livres que je n'ai pas aimés de 2020. Alors comme je vous l'ai dit récemment en story, c'est assez difficile pour moi de vous présenter mes livres préférés et les livres que j'ai vraiment pas aimé ou qui m'ont vraiment déçu, parce que y en a plein en fait dans les deux catégories. Mais pour cette catégorie là, j'ai réussi tout de même à en sélectionner 5 pour lesquels j'ai été déçue. Mais on va dire c'est une forme de déception assez spéciale, parce qu'en fait le livre m'attirait forcément si je l'ai acheté et que c'est moi-même qui l'ai choisi, et que du coup il y avait des éléments bien, une situation intéressante, des personnages qui avaient l'air intéressants, mais ça s'est développé d'une façon un peu en gros il y avait du potentiel qui a été inexploité. Voilà, je vais réussir à faire mes phrases, c'est très très cool. Du coup ce sont des livres que je n'ai pas détestés, mais pour lesquels on aurait pu faire mieux, et du coup c'est décevant. Voilà. Alors le premier que j'ai mis dans cette catégorie, c'est La femme comestible de Margaret Atwood. Alors l'atout numéro 1 pour lequel j'aurais pu aimer ce livre, l'auteur, Margaret Atwood. Mais en l'occurrence, c'est le deuxième livre d'elle que je lis où je suis déçue, après Les Testaments, que je n'ai même pas fini, c'est pour vous dire. Et un autre, c'est Le cœur qui lâche en dernier, où également il y avait un sujet intéressant, mais où ça a été développé, c'est parti un peu trop loin et j'ai moyennement aimé. Donc Margaret Atwood, je suis assez mitigée sur elle. J'aurais adoré par exemple vous faire une vidéo focus sur elle. Je pense que je la ferai, mais le jour où j'aurais lu d'une plus de livres, et le jour où j'aurais vraiment aimé ce que j'aurais lu, parce que ce serait un peu bizarre sinon. Donc on va suivre Marianne, qui habite on ne sait pas où, sachant que l'auteur est canadienne. Je me suis dit c'est peut-être au Canada, mais on ne sait pas, on n'a pas vraiment de lieu. Et ça m'a un peu perturbée, parce qu'en fait c'est le genre d'histoire qui pourrait se passer n'importe où, mais moi j'ai quand même besoin d'un lieu quoi, pour m'imaginer plus. En fait elle sort avec un gars qu'elle aime vite fait, et elle va se marier avec lui par convenance plutôt que par amour et par choix. Et en fait elle a un travail qu'elle n'aime pas du tout, qui est juste pour payer l'endroit un peu bizarre où elle vit. Elle vit dans une colocation où elle n'a pas de douche, elle est obligée de descendre dans la salle de bain de la propriétaire. Enfin il y a plein de situations un peu bizarres, et du jour au lendemain elle ne peut plus rien manger, elle a comme un dégoût des aliments, elle n'arrive plus à manger, et c'est comme si il y avait un rejet en fait de la société de consommation et tout. Donc ça, j'aurais pu trouver ça intéressant. Et maintenant que je pense à cette histoire, ça me fait penser légèrement, mais en moins bien, ça. 5 Ocas de Paulina Biguin, qui est l'avant-dernier livre que j'ai lu cette année. Et je vous en reparlerai très bientôt. Mais non, ça m'a pas... J'ai pas réussi à avoir de la sympathie pour l'héroïne. Les situations étaient trop loufoques, à mon sens. Elle va se retrouver à tromper son petit ami avec un gars qu'elle rencontre un peu au pif. Enfin c'est bizarre, puis le fait qu'il n'y ait pas vraiment de circonstances, de lieux, on ne sait pas vraiment où se place l'endroit, où se place l'époque. Ouais, c'était trop loufoque pour moi, j'ai pas trop vu où l'auteur voulait en venir, il y avait trop de trucs, voilà. Le second livre qui avait aussi un intérêt pour moi, vu que c'était Michael Connelly, auteur duquel j'ai lu que un seul autre roman, donc forcément j'avais pas trop un spectre très large de ce qu'il pouvait faire, mais en l'occurrence son autre roman je l'avais adoré. Celui-ci, déception, on suit en fait un inspecteur qui s'appelle Harry Bosch, qui travaille pour la LAPD, enfin la police de LA, je sais plus si c'est la LAPD, mais bref. Et en fait il va être sur un cold case, donc sur une affaire classée, mais qui en fait... ils vont avoir des nouvelles informations sur cette affaire qu'ils vont pouvoir ouvrir 10 ans après, en gros. En gros, 10 ans auparavant, un mariachi, donc c'est un chanteur de musique mexicaine, s'est fait tirer dessus en fait, sauf qu'il n'est pas mort, et 10 ans après il meurt, donc forcément ça devient un meurtre. On lui avait tiré dessus, mais on n'avait jamais retrouvé le coupable.
Donc là, je me suis dit, ah bah ça peut être intéressant, on va voir, voir l'enquête, puis c'est original, quoi. Comme c'était quelque chose qui avait eu lieu 10 ans auparavant, qui n'était pas mort, bah qu'on retourne là-dessus. Sauf qu'en fait, je sais pas, j'ai pas trouvé l'enquête intéressante du tout. Ils vont aller jusqu'à Las Vegas pour essayer de coffrer un gars, mais enfin, la scène est bizarre. Même Harry Bosch, j'ai pas réussi à avoir ultra d'empathie et de, je sais pas, pour lui, alors qu'en plus, on le suit dans l'autre livre, il me semble, et j'avais beaucoup plus aimé, je sais pas. Je pourrais pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai pas trop trouvé que l'enquête était intéressante, palpitante, particulièrement. Mais elle a pas retenu vraiment mon attention, ce qui fait que c'est un livre pour moi totalement lambda et c'est pas génial. Celui, je pense, pour lequel j'ai eu la plus grosse déception, c'est peut-être celui-ci ou peut-être le suivant, je ne sais pas. C'est Toute résistance serait futile de Jenny Colgan, celle qui a écrit La Petite Boulangerie, donc la saga. Là où c'est décevant, bah l'édition, elle est trop belle, c'est une édition spéciale. Alors comme je vous le disais dans cette vidéo, les éditions pour moi c'est assez important. Le visuel, la première page, c'est important dans le choix d'un livre. Bien sûr il y a autre chose, si je connais l'auteur, si le titre a l'air intéressant, si le résumé a l'air intéressant, si ça me parle, enfin bien sûr il y a d'autres caractéristiques qui entrent en jeu lorsque je choisis un livre. Mais là en l'occurrence je me suis dit, je connais l'auteur, ça c'est cool, ça doit être bien. Et ben non. On suit du coup Connie, qui est mathématicienne, qui arrive à Cambridge et qui, à qui en fait on offre un poste de professeur de mathématiques, forcément. Elle est très renommée dans ce qu'elle fait, elle côtoie des grands chercheurs, des grands professeurs dans leur spécialité. Ils ont fait plein de meetings ensemble, enfin c'est quand même assez du lourd. Sauf qu'en fait elle va se retrouver à être avec d'autres gens, dont un qu'elle connaît, avec lequel elle a eu une histoire, donc la relation est un peu bizarre dès le début, à en fait faire un peu des trucs secrets. Elle sait pas vraiment pourquoi, mais elle est pas du tout professeure. Il y a des gens qui lui disent bah tu dois résoudre des trucs avec les 5 autres, et en fait ils vont résoudre des problèmes et des longueurs d'onde, enfin des trucs de maths pour lesquels je ne comprends pas et pour lesquels je n'ai aucun intérêt, clairement. Et ils font ça toute la journée. Et en fait, il y en a un qui est un peu bizarre, qui s'appelle Luc, qui pousse un piano. Donc, où déjà, il y a des situations, on se croirait dans du Fedo, quoi. C'est un auteur de théâtre de vaudeville du 19e, sauf que là, on est au 21e siècle, donc pas trop de rapport. Et elle se dit, bah, il est bizarre. Donc, ils vont développer une relation ensemble. En fait, il est extraterrestre. Voilà, je vous le dis parce qu'on le sait assez rapidement. Et parce que l'histoire ne vaut pas vraiment le détour, donc je vous épargne de le lire. Je l'ai lu cet été, donc clairement c'était une lecture assez légère, mais je pensais pas que ce serait à ce point. En fait, ensuite ça va partir n'importe comment, il y a le gouvernement qui va être sur leur trace, ils vont partir tous les deux, les autres vont rester, enfin franchement c'est n'importe quoi, je peux pas vous le dire autrement. La trame n'est vraiment ni intéressante parce qu'on sait pas vraiment pourquoi ils sont choisis eux, pourquoi, enfin ce qu'ils résolvent, qui sont ces personnes qui les ont choisies, enfin vraiment, pff, non, franchement je trouve que c'est inintéressant. Désolée Jenny Colgan si vous passez par ici. Et en plus elle a eu des critiques de Sophie Kinsella. Désolée, non, non, non. Alors le prochain livre, c'est le seul que je n'ai pas avec moi, et d'ailleurs je pense que je vais virer les 3 premiers que j'ai eu, enfin les donner ou les vendre, tout simplement parce que ma mère me l'avait prêté et que je lui ai rendu parce qu'il était nul. Il s'appelle Sequan Island de David Van. C'est un livre, la couverture était belle, en plus je me souviens très bien, c'est moi qui lui avais acheté pour son anniversaire. Elle avait été déçue et moi aussi, forcément, surtout quand c'est un livre pour une occasion comme ça, on aimerait qu'il soit bien. Donc c'est en fait un père et son fils qui vont partir s'isoler sur une île vers l'Alaska, il me semble, où je vous mettrai un petit truc ici, je ne sais plus, je vous avoue. En tout cas c'est aux États-Unis, dans un coin paumé, ça c'est certain. Le fils a sa mère et sa sœur, il vivait avec elle, il n'est pas hyper proche de son père, et en fait c'est une façon de se rapprocher de lui. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est assez intéressant. Après je me suis dit pourquoi le père n'a pas aussi voulu que sa fille vienne. Je me suis dit c'est pas très cool quoi de privilégier un gamin plutôt que l'autre, surtout qu'il était proche d'aucun des deux en fait. Donc il va s'isoler avec lui dans une petite cabane. Donc du coup son fils va arrêter l'école, il va plus ou moins lui faire l'école à la maison, d'ailleurs beaucoup moins que plus.
Ensuite, il va avoir des problèmes de nourriture, il va apprendre à son fils à chasser, enfin à faire des trucs. Il me semble que son fils a 14 ans. Hein. À faire des trucs traumatisants pour un enfant de son âge. Alors oui, c'est important de responsabiliser les enfants, de leur apprendre des choses, leur montrer que la vie c'est pas les bisounours. Mais enfin bon, là c'est quand même méga violent. Est-ce qu'il y a besoin de ça pour se rendre compte que la vie c'est pas un truc hyper bien? Je ne crois pas. J'ai assez jugé ultra vite le père, mais j'ai mes raisons. C'est un homme très opportuniste, très égoïste, très irresponsable, parce qu'il va se passer un drame. Et il a un ego surdimensionné et il fait culpabiliser son fils quand son fils ne veut plus rester avec lui et qu'il veut retourner avec sa mère et sa sœur. J'ai trouvé ça dégueulasse. Voilà. Donc je ne vous conseille pas ce livre parce que moi j'ai été énervée. Je trouve que pour en voir un peu plus sur, sur la mentalité d'un père qui ne gère pas du tout, bah allez-y. Mais moi c'est quelque chose que je connais donc j'avais pas besoin de ça. Voilà. En fait, je me suis dit ça va être intéressant de par le fait qu'ils s'isolent, de voir un peu cet isolement volontaire qu'ils font. Contrairement à Robinson qui se retrouve sur cette île, mais il ne l'a pas choisi. Lui, il l'a choisi. Donc je me suis dit ça va être intéressant, un peu comme dans Into the Wild de John Crocker, où le gars décide clairement de s'isoler. Donc je me suis dit on va voir tout ce qu'il va faire pour survivre, comment il va s'occuper et tout. Mais non. Voilà. Et le dernier livre, c'est La langue des oiseaux de Claudie Hunsinger. Alors, d'une, la couverture m'inspirait. De deux, on l'avait proposé avec Olivia pour une édition bonus sur The Fudge Book Club. Donc je suis dégoûtée qu'il n'ait pas été bien à mon sens. Voilà. Donc on suit Zaza, ZSA, ZSA. Pourquoi pas, une romancière qui quitte Paris. D'ailleurs, romancière, on ne sait même pas vraiment ce qu'elle écrit. Elle n'écrit pas vraiment, donc romancière, ça veut tout et rien dire. Ça me fait un peu rire. Qui va s'isoler, il me semble, dans les Vosges. Je me suis dit, c'est vers chez moi, mais en fait, pas vraiment. Dans une cabane et tout, pour soi-disant écrire et retrouver l'inspiration. Donc alors, c'est très fin, hein, donc il ne se passe pas mille et une choses. Mais de ce que je me souviens bien, c'est qu'elle va un peu se balader, un peu prendre l'air. Elle écrit 2-3 mots. Et en fait, elle se retrouve plus à aller sur eBay et à tomber sur le compte d'une japonaise qui revend des fringues comme des garçons, qui est un créateur japonais, plutôt que d'écrire. Et en fait, elle va se trouver une admiration et une passion pour cette jeune japonaise qui vend une seule pièce par semaine à la fois, qui a collectionné en fait ses vêtements. Et en fait elle va la contacter parce qu'elle va lui acheter des choses et elles vont discuter, elles vont se rencontrer. Et je me suis dit ça va être... Enfin je trouvais le concept hyper original quoi, que à distance il y a une rencontre réelle physique. Mais en fait je sais pas, c'est tourné d'une façon bizarre, c'est bizarre. L'héroïne on n'en sait pas vraiment sur elle, ça pourrait être n'importe qui, elle est pas très développée. Du coup, j'ai pas réussi à avoir de la sympathie pour elle, j'ai pas réussi à m'accrocher à elle, je sais pas, il y a plein de trucs qui manquaient. Voilà. Oui, bah écoutez, je crois que c'en est tout pour les 5 livres qui m'ont déçu en 2020. Il y en a eu d'autres, hein, lorsque j'ai regardé tous les articles que j'avais fait sur le blog pour faire cette vidéo. Il y en avait au moins 8 ou 9, mais bon, il y a des déceptions un peu plus grandes que d'autres. Donc écoutez, voilà, je vous ferai bientôt un nouveau bilan de l'année 2020. J'espère que votre année lecture s'est bien déroulée, peut-être mieux que l'année de façon générale. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner. Ça me fait très très plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. N'hésitez pas également à nous suivre sur The French Book Club, qui est notre club participatif lecture dans lequel on organise une édition mensuelle chaque mois, du coup, de livres. C'est très très cool. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!